sommes dans Jérémie chapitre 7. À partir du verset 23. Jérémie 7, à partir du verset 23. Mais voici la parole que je leur ai commandée, disant, écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ordonne, afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont pas écouté, et n'ont pas prêté l'oreille. Et ils ont suivi d'autres conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils se sont éloignés et ne sont pas revenus à moi. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour, dès le matin. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, mais ils ont rédit leur cou. Ils ont fait le mal plus que leur père. Tu leur diras toutes ces paroles, mais ils ne t'écouteront pas. Et tu crieras après eux, mais ils ne te répondront pas. C'est pourquoi tu leur diras, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de Yahweh, son Dieu. Qui ne reçoit pas d'instruction. La vérité a disparu. Elle s'est retirée de leur bouche. La vérité a disparu. Elle s'est retirée de leur bouche. Nous sommes malheureusement dans une époque où la vérité s'est retirée. Non seulement qu'elle a disparu, mais elle s'est retirée de la bouche de beaucoup de prédicateurs. Beaucoup de chrétiens. Nous avons des églises business aujourd'hui. Nous avons des chrétiens à qui l'on dit s'ils jeûnent, s'ils prient, ils vont être riches. Nous avons des chrétiens à qui on dit s'ils donnent de l'argent à un homme de Dieu, ils vont être bénis. Nous avons des chrétiens à qui l'on dit s'ils ne vont pas le dimanche à l'église, ils ne seront pas bénis. Nous avons des chrétiens à qui l'on dit, s'ils ne font pas 3 jours de jeûne à sec, ils ne pourront pas être visités par le Seigneur. Et nous avons, à la place de la vérité, nous avons le mensonge. Et dans Romains chapitre 1, Paul dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc le problème, c'est quoi? Le problème, c'est la vérité. La vérité dérange. La vérité fait peur. La vérité blesse. La vérité amène la persécution. La vérité amène le rejet. Mais Jésus a dit, il a dit Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc quand Jérémie dit ici que la vérité a disparu, qu'elle s'est retirée de leur bouche, ça veut dire que c'est des gens, ces gens-là, connaissaient la vérité. Ces gens-là avaient la vérité. Ces gens-là avaient la vérité dans leur bouche. Et la vérité, c'est Dieu. Dieu s'est retiré de leur bouche. Et c'est ce qui se passe dans nos églises actuellement. Je parle des églises émergentes, des églises que nous connaissons. Nous ne sommes pas venus pour faire un procès aux dirigeants, aux pasteurs, c'est pas ça. Mais nous sommes venus vous dire simplement, comme on le fait partout, même en France, même dans les assemblées que nous avons implantées, qui sont, certaines sont autonomes, et on leur dit, vous avez abandonné la vérité. Mes amis, nous sommes dans un monde où on nous pousse au mensonge, on nous encourage à mentir, on nous apprend à mentir. Dès le bas âge, à l'école, on nous apprend à avoir un langage qui soit politiquement correct. On nous apprend au travail à mentir aux gens qui... les commerciaux, on leur apprend à mentir. Tout tourne autour du mensonge. Tout. Et Dieu nous dit que la délivrance, ce n'est pas parce qu'on va jeûner, parce qu'on va prier d'abord. La délivrance, elle vient par la connaissance. Elle vient de la connaissance de la vérité.
Et toute la terre va dans une direction. Oui, il faut prier. Il y a des gens qui prient depuis des années ici. Il y a des chrétiens qui prient, qui jeûnent, mais il n'y a pas de délivrance véritable. Pourquoi? Parce que ben, la vérité a disparu, il n'y a plus de vérité. Et Jérémie, Dieu l'a suscité à une époque où cette nation, Israël, était tombée dans l'apostasie. À une époque où les prêtres étaient corrompus, les sacrificateurs, ils prêchaient pour avoir de l'argent, pour avoir un salaire. Les prophètes prophétisaient quand ils avaient quelque chose à mettre sur la dent. C'est là qu'ils avaient les prophéties. Et d'ailleurs, Jérémie 23 en parle. Dieu dit, malheur aux prophètes qui prennent leur parole pour ma parole et qui égarent mon peuple. Mais après, tu vois qu'il y a une nation qui est remplie de prophètes. Dans chaque carrefour, on voit des panneaux, il y a des publicités, il y a des affiches des prophètes. Il y a des belles assemblées, il y a des beaux bâtiments d'église, climatisés. Il y a des tapis rouges, des chaises en cuir, oui. Mais où est la vérité? Comment êtes-vous arrivé à adorer les pasteurs? Comment êtes-vous arrivé à vous mettre à genoux devant un pasteur et essuyer ses chaussures? Voilà le jugement de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Tu as jugé l'église ivoirienne et l'église ivoirienne a fait marche arrière parce que cette église a préféré les idoles, a préféré l'argent à Dieu. Paul dit, la colère de Dieu se relève du ciel parce que les hommes retiennent la vérité captive. Et Paul dit, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont préféré adorer la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. À cause de cela, Paul dit, Dieu les a livrés à un esprit d'égarement. J'ai connu en Côte d'Ivoire un des jeunes prophètes qui venaient nous voir quand on venait. Je sais qu'il y en a qui sont corrompus, il y en a beaucoup qui sont corrompus. Parce qu'ils veulent les associations des pasteurs. Je n'ai pas vu dans ma Bible un prophète s'associer à des prophètes à gauche à droite. C'est pour cela qu'il faut enlever tous ces titres-là, il faut mettre ça de côté. C'est des fonctions qui enlèvent les titres. La vérité, qu'est-ce que la vérité? Pilate pose la question à Jésus. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, d'abord la vérité est Dieu. La vérité, bien sûr, c'est le contraire du mensonge. Et vous allez voir que beaucoup de gens sont dans le mensonge. C'est quoi le mensonge à votre avis? C'est l'hypocrisie. Un hypocrite est une personne qui joue un rôle. Vous voyez? Chez les Grecs, les hypocrites étaient des acteurs du cinéma. Ils se mettaient dans la peau des personnages fictifs, imaginaires. Donc ils jouaient des rôles. Et dans nos églises, on nous a transformés, on vous a transformés en des véritables hypocrites. Vous allez voir un homme qui fume, il arrive devant l'église, soi-disant, parce que le bâtiment, c'est ce qui est devenu l'église aujourd'hui. Il arrête sa cigarette et prend un chewing-gum, il rentre là-dedans comme s'il ne fume jamais. Vous allez voir un homme qui trompe sa femme et il va arriver à l'assemblée, il est diacre, il est ancien, il fait semblant d'être saint. Vous allez voir un pasteur qui manque du respect à sa femme, qui trompe sa femme, il arrive devant l'assemblée, il est saint. Il va endosser une tenue. Un costume. Mais la maison, c'est un dictateur. Devant sa femme, c'est un menteur. Vous voyez, on nous a appris à jouer des rôles. C'est ça la religion. On joue des rôles. On va prier à l'église. On va lire la Bible à l'église. À la maison, on ne la médite pas. On ne prie pas Dieu. On ne craint pas Dieu. On est hypocrite. Vous voyez, il y a beaucoup de mensonges. C'est pour ça que la vérité a disparu. Et la dernière fois dans vos églises où on vous a prêché sur l'enfer,
où l'on vous a dit que si vous mourrez dans le péché, vous allez vivre pendant l'éternité dans un lac de feu. Ça remonte à quand? Vous voyez le mensonge? Le mensonge s'est installé. Alors les doctrines étrangères sont importées dans les églises, du monde dans les églises. Et l'on vous dit, on prêche un autre Jésus que le Jésus de la Bible. Il y a deux Jésus. Je suis allé à Stuttgart en Allemagne un jour, pendant que je dormais, dès la première nuit, Dieu m'ouvre les yeux et je vois des chrétiens là-bas en Allemagne en train d'adorer un Jésus. Je leur dis, mais c'est pas Jésus. Ils me disent, si c'est Jésus. Je leur dis, non, ça c'est pas le Jésus de la Bible. Ils m'ont dit, c'est Jésus. Je dis, non, c'est pas Jésus. Et c'était le diable. Et là, je vois son visage, c'était le diable en personne qu'ils adoraient. Et quand je me suis réveillé, Dieu m'a dit, voilà le Jésus qui est adoré dans les églises ici. Un Jésus businessman, un Jésus star, vous voyez, star. Le bishop, il arrive dans son gros véhicule, tout le monde sait que c'est lui. Il attend que la salle soit bien remplie. On lui ouvre la porte de sa voiture, il a un costard de cravate avec des garde-corps, un président. Comment voulez-vous que les gens soient sauvés? Même les païens, quand ils viennent dans nos assemblées, disent, mais votre gars, là, votre pasteur, vous ne voyez pas que c'est un escroc. Et des chrétiens lobotomisés depuis leur conversion, soi-disant. Ce n'est pas une conversion qui est beaucoup connue, c'est une adhésion intellectuelle. On adhère à un bâtiment, on adhère à un mouvement. Mais la conversion, c'est la rencontre avec la vérité. C'est quand on rencontre la vérité et la vérité nous libère de nous-mêmes. D'accord. Le mensonge. Concert chrétien, tout le monde était en Soudan, gospel, on dit sur le gospel. L'entrée est payante. Vous voyez, vous avez vu ces chantres-là, c'est des stars. Ce sont des stars. Mais moi, dans la Bible, c'est ce que je, quand je lis la Bible, je vois que les chantres, c'est tous les chrétiens. Et ils ne sont pas, ce ne sont pas des stars, c'est des simples frères et sœurs qui aiment le Seigneur, qui le craignent. Vous voyez, la vérité, on n'en veut plus. Nous sommes dans une génération où si tu prêches la vérité, tu vas te retrouver seul. Si tu cherches la vérité, on va te chasser des églises. On va te chasser des bâtiments. On va t'expulser des synagogues de saints. Frère, acceptez d'être seul avec Dieu plutôt qu'avec une foule et sans Dieu. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur, frères et sœurs. Il mérite la gloire. C'est le jour du Seigneur, ça c'est un mensonge. Le mensonge, c'est quand on vous dit que le pasteur, c'est lui qui prie Dieu pour vous, c'est le mensonge. Le mensonge, c'est quand vous appelez un homme mon pasteur. Non, David a dit, l'Éternel est mon berger, Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. Et Jésus vient, il dit dans Jean 10, je suis le bon berger, et mes brebis entendent ma voix et elles me... Donc, aucun homme dans la Bible n'a appelé un homme mon pasteur. Non, c'est faux. Ça, c'est du mensonge. Parce que les pasteurs, ce sont des frères. Avant tout, tiens, ce sont des frères. Tiens, ce sont des brebis. Les vrais pasteurs. Parce que le faux, ce sont des boucs. Alléluia. La vérité, Dieu est esprit. La vérité, c'est tu peux prier Dieu chez toi et il va t'exaucer parce que Dieu est esprit. La vérité, frères et sœurs, c'est celle qui libère véritablement. Je peux vous imposer les mains tous les jours. Ce n'est pas pour autant que vous allez être délivré. Non. Aujourd'hui, des chrétiens croient qu'en allant en Israël, ils vont rencontrer Dieu. Ils vont faire un pèlerinage comme les cathos vont les musulmans à la Mecque et les cathos à la Lourdes là-bas ou au Vatican. Dieu n'est plus en Israël, frères et sœurs. Dieu est esprit. Et il faut que ce que la donne, esprit en vérité, frères et sœurs. Alléluia! Ça, c'est la vérité, mes amis. Ça, c'est l'évangile. La vérité, c'est que Jésus revient. Oui, Jésus revient. Oh oui. Le mensonge, on te dit, écoute, tu es membre de l'église? Oui. Eh bien, toi, ton rôle, c'est choriste.
Toi, dans ta fonction, tu es diacre, tu vas balayer l'église. Il n'y a pas un ministère de balayage d'église, ça n'existe pas. Toi, ton rôle, c'est de nettoyer les chiottes et les toilettes, ça n'existe pas tout ça. Tout le monde peut faire ce travail-là. Toi, ton rôle, tu es ancien parce que tu gagnes bien ta vie. On te met ancien alors qu'un ancien, il n'a même pas la colonne de la parole, on le met ancien. Alors qu'il est polygame, on le met ancien. Alors qu'il est dans la publicité, on le met ancien parce qu'il gagne bien sa vie. Voleur, impudique. Alléluia. La vérité, mes amis, la vérité, c'est que les anciens, ce sont des frères et sœurs qui les votent. Ce n'est pas les pasteurs qui les mettent. Ouais. La vérité, c'est que les prophètes sont des hommes et des femmes que Dieu a appelés. Ils sont lapidés, ils sont seuls avec Dieu. Ils sont déconsidérés par le monde. On leur crache dessus. La vérité, frères et sœurs, c'est ça la vérité, mes amis. La vérité, c'est la croix. Tu dois porter ta croix tous les jours. Et la croix, c'est quoi? Tu donnes ta vie à Jésus et tu vas être haï, détesté, chassé, lapidé, crucifié. C'est ça l'évangile, mes amis. La vérité, eh bien, c'est ça la vérité. La vérité, c'est pas le fait d'aller construire, bâtir des hôtels, chercher les démons territoriaux pour les chasser, chasser tout. La vérité, c'est quoi? C'est pas le fait d'aller lier les démons. On ne lie pas les démons. Tiens, ton voisin, on ne lie pas les démons. Il n'y a pas un verset qui dit que les démons, il faut les lier. Les démons et Satan seront liés par un ange quand Jésus reviendra. Ce n'est pas toi qui vas lier. On a dit qu'il faut chasser, pas le lier. La vérité, c'est que les pasteurs ne bénissent pas les mariages. Tiens, ton voisin, ce n'est pas biblique. Alléluia. Vous voulez que je parle encore? Oh, je bénis ton mariage. C'est écrit où? La vérité, c'est que les enfants ne sont pas présentés au temple par les hommes. Non. Ça, c'était sous la loi. Tiens, tu vas être sous la loi. Voilà. La vérité, c'est que tu es prêtre. Tu es roi. La vérité, c'est que tu es établi par le Seigneur, les vrais chrétiens, pour être son ambassadeur, pour être son témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu. La vérité, c'est que tu, pour ouvrir ton commerce, tu n'as pas besoin de venir me voir pour m'en parler. Tu peux faire tes affaires sans parler à un pasteur. La vérité, c'est que tu peux aller vers Dieu sans passer par un pasteur. La vérité, c'est que tu peux prier pour les malades des hôpitaux sans dire au pasteur où tu étais. La vérité, c'est que tu peux aller dans n'importe quel séminaire où Jésus est glorifié sans demander la permission à ton bishop. Alléluia! La vérité, c'est qu'il y a une seule vérité qui sauve, et c'est Jésus de Nazareth. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia! Le de Jésus, il n'a pas de salut. Voilà la vérité. La vérité, c'est que Jésus a dit, là où deux ou trois s'assemblent, au nom de l'église pentecôtiste, c'est ça? Non. Au nom de l'église catholique? Non. Église de la manne cachée? Non. Église les rachetés? Non. Église de la Pentecôte? Non. Église de la puissance de la résurrection? Non. Église du sang versé tous les jours? Non. Oh, alléluia! Là où deux ou trois s'assemblent, en moi? Non. Je suis au milieu? Oui. Jésus n'est pas sur les strates là-bas avec tapis rouge, non. Il est au milieu de son peuple. Tiens, ton voisin, au milieu. Un homme de Dieu humble est toujours au milieu. Il n'est pas devant là-bas sur l'estrade, là-bas, mais avec sa femme, la première dame, sur les talons, tout ça. La vérité, c'est qu'il faut arrêter de fêter les anniversaires de vos pasteurs. Parce que quand quelqu'un, ils vont fêter vos anniversaires. Alléluia! Tiens, ton voisin, la délivrance arrive. Alléluia! Vous connaissez la vérité et la vérité, vous! Sauve-nous. Vous êtes comme les Juifs en Égypte. Ils fêtaient l'anniversaire de Pharaon. Ils construisaient des magasins pour Pharaon. Et le peuple était dans l'esclavage. C'est la même chose qu'aujourd'hui. Même chose. Vous allez tendre la pelouse de votre pasteur. Vous êtes esclave. Vous allez ouvrir la porte de sa voiture. Esclave. Vous portez sa Bible. Esclave. Vous donnez l'argent pour être béni. Esclave. Vous allez faire la queue pour recevoir les poissons des mains parce que lui seul peut guérir, esclave. Qui veut être sauvé? Oh Seigneur, sauve-nous. On a changé la vérité. On a adopté un message qui plaît à tout le monde.
On dit, vous êtes des champions. Des champions qui se masturbent, des champions. Des champions tribalistes, des champions. Des champions racistes, des champions. Des champions qui vont voler, qui mentent. Est-ce que vous savez que nos églises sont devenues des lieux où Satan déforme les gens pour qu'ils aient un enfer avec lui? Je vous dis la vérité. Il y a des chrétiens en enfer qui disent, Dieu, envoie-nous sur terre, nous voulons changer. Et trop tard, je leur dis, vous avez ma parole. Vous ne la lisez pas, vous ne la méditez pas. Vous préfériez écouter vos pasteurs, mais suivre eux plutôt que ma parole. C'est trop tard. Vos prophètes qui font des hyperlits, vos prophètes qui mettent des produits, prophètes. Quand ils font des
quand ça leur coûte des milliards, des millions pour leur propre gloire. Plusieurs prédicateurs. Vous trouvez ça biblique? C'est des associations de malfaiteurs! Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu vas dire à ce monsieur? Je pars. Même si ça ne vous plaît pas, on n'est pas là pour votre argent. D'ailleurs, on fait les offrandes qu'on vous donne. Donc, on n'est pas là pour prendre l'argent de qui que ce soit. Nous vous disons des choses, même si ça ne vous plaît pas, on le dit. Parce qu'un prédicateur qui ne parle pas à dénoncer les noms, même des noms des gens, citer des noms des gens. Il y a des gens qui étaient respectueux, qui craignaient Dieu, mais ils se sont associés avec des impies. Quand la dernière fois je suis en Côte d'Ivoire, j'ai demandé à voir un pasteur ici. Et je suis allé dans son bureau le lendemain, on a pris rendez-vous. Il s'est enfermé dans son bureau, il ne voulait pas me voir. Parce qu'il a eu son patron qui lui a dit, faut voir Castano qui lui a dit, faut voir. Vous avez la vérité? Ben sortez, discutons, partageons, affrontons-nous. Vous volez le peuple. Vous écrivez des livres des commerçants. Et Dieu dit qu'il va détruire certains de ses prédicateurs. Je vous dis de la part du Seigneur. J'ai eu une vision ce matin. Dieu m'a dit, il y a beaucoup de pasteurs ici en Côte d'Ivoire. Il les a frappés déjà, il les a rejetés. Et je vous dis, vous allez voir, il y en a qui vont mourir. Crise cardiaque, ils vont mourir. Accident, là, Dieu va commencer à les enlever pour amener la crainte de son nom. Il va d'abord commencer à juger les églises ici en Côte d'Ivoire, mes amis. Là, vous allez voir, il y a des chrétiens qui vont commencer à confesser publiquement leur péché. Ça va être quelque chose de terrible que beaucoup n'ont jamais expérimenté ici. Il y a des anges qui sont descendus avec des épées qui sont sortis de leur fourreau. Et Dieu va commencer à frapper. Vous allez voir la crainte de Dieu comme jamais. Vous allez avoir la crainte de Dieu, saisi par la crainte de Dieu comme jamais auparavant. Le Seigneur dit le temps de la récréation est fini pour la Côte d'Ivoire, pour les églises ivoiriennes. Pour l'église ivoirienne, le temps est fini. Vous allez voir des enfants que Dieu va saisir, ils vont commencer à dénoncer le péché ici en Côte d'Ivoire. Après ce programme, Dieu va amener un vent nouveau, là, mes amis, c'est le jugement terrible. Et je vous dis, vous allez voir des gens qui vont se lever, qui vont commencer à prophétiser partout, ça va être terrible. Ça va être terrible. La particularité de l'œuvre que Dieu a commencé ici, là, partout dans toute la Côte d'Ivoire, ça va être des conversions véritables, authentiques. Mais vous allez voir des gens qui vont prêcher la vérité sans avoir peur. On va les enfermer, tous amis, ils vont se lever avec une onction particulière. C'est l'onction des lignes, la puissance de la résurrection. On va véritablement les saisir pour qu'ils prêchent la vérité de ça. La vérité est véritable. La puissance de Dieu. Dieu va, le Seigneur dit, il t'a parlé en songe, il t'a parlé en vision. Il t'a parlé de ce vent nouveau qui va souffler. Dieu t'a mis à part pour te préparer. Il t'a mis dans un désert pour te former comme Jean-Baptiste. Tu es là avec le bâton de commandement. Tu vas aller commander à libérer. Tu vas commencer à libérer les âmes, à libérer le peuple. Dieu t'a mandaté. Tu es là. Tu passes par des souffrances, des brisements terribles. Le Seigneur a mis cette vérité dans ton cœur depuis quelques temps et tu souffres. Tu te sens seul, tu te sens incompris, incomprise. Tu te sens blessé, rejeté. Tu as prophétisé dans cette assemblée, on t'a chassé. Tu as vu des choses terribles. Dieu t'a montré l'adultère de ce pasteur. Tu es là. Ma fille, c'est moi qui t'ai ouvert les yeux pour te montrer ces choses-là. Le Seigneur avait préparé cette armée dans les coulisses. L'heure de sortir de l'ombre pour cette armée est arrivée. Nous sommes simplement venus voter de la part du Seigneur. L'heure est arrivée. Une nouvelle génération est suscitée par le Seigneur dans les coulisses. Et Dieu va susciter ces hommes et ces femmes. Nous sommes venus juste confirmer ce que Dieu vous a dit dans les coulisses. Vous allez de plus en plus vous lever dans la présence du Seigneur pour faire l'œuvre du Seigneur dans toute la Côte d'Ivoire au nom de Yeshua. Alléluia. Il y en a qui ont reçu l'appel pour aider les orphelins. Dieu va donner les moyens pour le faire. Dieu me dit ici, il y en a qui ont reçu cet appel-là. Dieu va confirmer ces choses. Il confirme ces choses-là au nom de Yeshua. La vérité, c'est l'épée de l'esprit. Tu as reçu l'épée. C'est pour cela que tu ne peux pas être avec les gens, tu ne peux pas être avec la foule, parce que tu as reçu l'épée. À chaque fois que les gens t'approchent, il y a des clashs, il y a des conflits, des problèmes, parce que Dieu t'a donné le caractère d'élite, le caractère d'un homme qui doit suivre le Seigneur, comme, n'est-ce pas, comme un Enoch qui a marché avec Dieu. Il y a des Enoch qui vont marcher avec le Seigneur. Il y a des Noé qui vont marcher avec le Seigneur pour proclamer sa parole véritable. Ah oui. Ah oui. Vous savez pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire a une mission de la part du Seigneur. C'est pour ça qu'il y a autant de problèmes, autant de combats, tout ça. Mais le Seigneur dit, j'ai pas dit mon dernier mot.
Il y a des anges qui viennent et qui balayent. Dieu disqualifie. Beaucoup sont disqualifiés, rejetés par le Seigneur. Mais vous allez voir des gens sans titre, déconsidérés, considérés comme des rebuts. Et ce sont ces hommes et ces femmes que Dieu a préparés. Et pendant ce programme en fait c'est juste Dieu qui l'a permis pour, il a permis ce programme pour préparer, pour rassembler les élus. Il y en a qui ne seront pas forcément là, qui sont chez eux, mais Dieu les a loin, Dieu les a mis à part également. Et pendant ce programme, le Seigneur va juste vous encourager pour aller maintenant, aller faire l'œuvre. Et Dieu dit qu'il va accompagner la parole qu'il a mis dans votre cœur, il va l'accompagner. Avec une autorité telle que beaucoup de gens feront la gloire de Dieu. Et ceux qui vont vous combattre, Dieu va les combattre lui-même au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Oh Seigneur, merci. Ceux qui veulent changer de vie, qui veulent changer de vie, qui veulent le baptême, qui veulent suivre le Seigneur, lève-les. Ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême, lève-les. Qui veulent le baptême, venez, qui veulent le baptême. C'est votre temps, c'est votre heure. Venez à Jésus, venez prendre le baptême ce soir. On acclame au Seigneur pour leur prier les prières, gloire à Dieu. Ah. Magnifique Seigneur. Dieu réveille son peuple. Dieu touche son peuple. Dieu guérit son peuple. Oh, Alain, c'est magnifique ce que Dieu fait. Regardez-moi, la moisson est là, la moisson est là. Oh,
Seigneur, la moisson, la moisson, la moisson, la moisson, la moisson. Touchez là où vous avez mal, touchez de vous-même là où vous avez mal. Le Seigneur guérit, il guérit ce soir, oui, il guérit ce soir. Là où tu avais mal, en venant ici, regarde, la douleur s'en va au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, Seigneur, merci pour la guérison divine. Ça va? Tu as mal là? Depuis quand? Depuis 2005. Wow. Jesus. L'équipe, vous savez comment ça fonctionne? Il faut vraiment entourer. Ne vous inquiétez pas, ça va pour elle. Aidez-la. L'esprit a dit que c'est son mari de nuit. Amène la main ici. Le mari de nuit. Quitte ma soeur. Quitte ma soeur. Quitte-la.
un serpent est au niveau de son bas-ventre. Son bas-ventre. Et c'est son mari de nuit qui provoque toutes ses souffrances, toutes ses maladies. Il faut que tu demeures dans la crainte de Dieu. Cet esprit-là, il sort là, il faut demeurer dans la sanctification après. Voilà, elle te vomit, allez, tu sors. Voilà. Jésus, sors. Sors, quitte ce corps, sors. Sors, on est chaud. Jésus. Quitte. Il y a deux esprits impurs qui. Tout le temps torture quelqu'un ici en permanence. Une personne qui est enchaînée, elle est torturée tout le temps, torturée. Deux esprits impurs, ça provoque une odeur nauséabonde, une odeur qui fait fuir les hommes, qui fait fuir les gens. Tout ça, le Seigneur t'a attiré ici, là, tu es venu, tu as vu. N'est-ce pas que ta situation est désespérée et ce n'est pas parce que tu ne t'aimes pas, au contraire, le Seigneur t'attire ce soir, le Seigneur met sa main sur ta vie et il te libère de cette prison au nom de Yeshua. Maintenant, Seigneur, que cette personne soit complètement détachée au nom de Yeshua, qu'elle soit complètement libérée de cette souffrance. Je commande à ces deux esprits impurs de retourner d'où ils viennent. Maintenant, au nom de Yeshua, le Seigneur Sauveur. Père, merci pour ta fidélité. C'est bon. Allez faire des examens dès demain, ce qui a été condamné par la médecine. Sortez. Voilà, sortez. Lâchez-moi cette femme. Jésus, merci Seigneur. C'est fini. Sort. On l'a attaché à un arbre comme un animal pour le manger, littéralement. Sors là, au nom de Jésus. Voilà, chassez-moi la mort. Jésus. Sors de là. Quitte-le. Quitte cette femme. Sors. Je dis lâche-la, au nom de Yeshua. Tu vas lâcher ce corps là aujourd'hui. Tu vas lâcher ce corps. Tu es obligé. Tu vas lâcher un esprit qui est là, qui amène cette maladie. Sors! Quitte! Oh Yeshua. Priez au niveau de son ventre. Lève ta main, je te suis. Oh, tu veux purifier ton sang. Lâche. Sors! Je brise avec les panneaux au nom de Yeshua. Que tes globules soient complètement restaurés au nom de Jésus. C'est bon. Gloire à Dieu. Une personne qui sent mauvais, je dis, il y a deux esprits impurs qui te torturent, au nom de Yeshua. Qui t'envoient des pensées de la mort et tu n'en peux plus. Le Seigneur t'aime. Ça va, on va faire les examens demain et demain. D'accord? Tu es baptisé? Par immersion? C'est bien. Seigneur, merci pour ta grâce. Qui a reçu une guérison physique dans son corps? Qui a reçu une guérison physique? Le mal que tu avais, qui a disparu? Quelqu'un avait mal au genou droit. Voilà, bouge ton genou. Le genou là, c'est comment? Touchez ce genou là, maintenant, Jésus de Nazareth. Touchez-le.
Dès qu'il y a la guérison, vous levez la main. Gloire à Dieu. T'as été guéri là? Ce soir? Hein? Viens, mon frère. Qui d'autre a été guéri ce soir? Tu as été guéri ce soir? Viens. Viens. Ça va mieux? Ah, gloire à Dieu. Tu as été guéri de quoi? De mon genou. Ah, ah, depuis quand? Ça me fait que je peux. 6 mois. 6 mois. Et là, t'as plus mal? Gloire à Dieu. Je sois béni. Merci Seigneur. Tu as été guéri de quoi? Je n'avais pas mal. J'avais mal? Oui, j'avais mal. Ok, là, t'as plus mal. Non. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je sois béni. Oui. Tu avais mal où? Oui, oui, les pieds. Au niveau des pieds? Depuis combien de temps? Des jambes, tout ça? Oh, ça peut faire un an. Un an? Et là, t'as plus de douleur, t'as plus rien? Regarde, bouge les jambes, gloire à Dieu, c'est bon, c'est fini. Alléluia, gloire à Dieu. Waouh. Waouh, alléluia. Ça va? Ça va? T'as toujours mal. Tu pensais que Dieu peut guérir notre frère? Amen. Oh, je le crois. Oh, Jesus Christ. Seigneur, que mon frère soit complètement guéri. Au nom de Yeshua. C'est bon, voilà. Voilà, je vous laisse. Voilà. Ça va? Bien. Tu veux baptiser? Non? Non? Tu n'es pas baptisé. Tu sais que le Seigneur t'appelle. Tu es tel. C'est ton temps. C'est ton heure. C'est pour cela que vous venez d'attirer ici. L'ennemi veut ta mort. Il veut te détruire. Tu as tellement été blessé, tellement été blessé, déçu. Les gens ont tellement profité de toi. Tu souffres beaucoup. Tu fais comme si. C'est comme si tu tournes en rond, c'est comme si ta vie est bloquée. Rien ne va. Et Dieu te dit qu'il t'aime. Il veut te sauver. Il te guérit. Ce soir. Il te guérit. Amen. Tu veux le baptême? Tu veux servir Jésus-Christ? Tu veux suivre Jésus? Oui. Oh, Jesus Christ. Jesus. Cours. Cours au baptême. Baptême le Seigneur pour sa vie. Oh. 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 Wow. Viens me voir. Dieu me dit qu'il veut visiter ta famille. Qui veut sauver les membres de ta famille, qui veut sauver toute la famille. Là où l'ennemi a mis la confusion, la division, la maladie, tout ça, la mort, Dieu vient, il apporte la vie. Viens, alléluia. L'onction qui vient à votre famille, la puissance de Dieu. Hein? De tous les frères et sœurs, voilà, toute la famille, là. Et l'onction familiale, alléluia. Oh, et l'onction de la famille, la volonté. Aidez-les. Oh, Jesus Christ. La délivrance acclame Dieu.
cette famille a été recommandée. Le Seigneur a, oh alléluia, cette famille a été encouragée par pour venir ici. Aidez-la. Oh alléluia. Votre ancêtre a vendu la famille. Dieu est venu ce soir pour libérer toute la famille. Désormais, celui qui vous touche, Dieu va le rencontrer. Celui qui vous touche, Dieu va le rencontrer là. Dieu t'appelle, la main de Dieu vient sur toi ce soir. Là. Dieu veut changer ton histoire. Là ce soir, Dieu veut changer ton histoire. Tu es baptisé. Tu es pas encore baptisé. Viens me voir. Oh alléluia. Tu ne seras plus un objet sexuel pour les hommes. Dieu veut changer ton histoire ce soir. Au nom de Yeshua. Tu veux servir Jésus de Nazareth. Tu veux suivre Jésus de Nazareth. Voici ta délivrance ce soir. Au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu veux suivre Jésus. Tu veux le baptême. Tu veux suivre Jésus. Cours là-bas au baptême. Gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Oh, Jésus Christ, alléluia. Oh, alléluia, lève tes mains. Voici la main de Dieu sur toi. Aidez-la. Voici. Il y a le feu sur elle. Là, Jésus. Oh, alléluia, c'est magnifique. Viens. Voici la main de Dieu sur toi. Aidez-la. Oh, alléluia. Viens. Lève tes mains, Dieu t'appelle, tu vas beaucoup chanter, beaucoup prophétiser au nom de Yeshua, alléluia. Aidez-le, ramène-le-moi. Merci, Jésus. Oh, on a presque fini. Tu sais qu'il y a un livre entre tes mains là, il y a un livre, un rouleau que Dieu te donne, tu vas beaucoup chanter, beaucoup prophétiser aussi là, de la part du Seigneur. Dieu veut éclairer toute la famille là, tout ça là. Comme Joseph, le Seigneur veut servir de toi pour apporter la lumière dans ta famille, dans le nom de Yeshua, c'est le sauveur, gloire à Dieu. Magnifique Seigneur. Quelle bénédiction. Viens. Waouh. Lève tes mains. Seigneur, merci pour cet homme. Merci pour la guérison de cet homme. Dieu te libère de la mort. Dieu te guérit ce soir au nom de Yeshua. Alléluia. Dieu change ton histoire. Au nom de Yeshua. La mort s'en va loin de toi. Maintenant, dans la... au nom de Yeshua. Oh, sors. Fini. Est-ce qu'on peut se lever en fière là? Je donne nos mains vers le ciel. Il y a des gens qui ont reçu la prophétie, qui ont été étouffés dans les assemblées. Le Seigneur vous restaure ce soir. Il vous restaure. Il restaure vos dons spirituels. Il restaure vos dons de parler en langue. Il restaure vos dons de vision. Il restaure vos songes. Il restaure votre vie de prière. Il y a une restauration ce soir. Tu ne repars pas d'ici tel que tu es venu. Tout enfant de Dieu qui a reçu le Seigneur, qui est là ce soir, et une onction particulière qui vient sur sa vie. Il y a un manteau nouveau que Dieu t'accorde ce soir. Toi que Dieu a appelé comme sa bouche, toi que Dieu a appelé comme ses pieds. Voici la puissance de Dieu. Maintenant, aide-moi tout ce monde-là. Aide-les. Une nouvelle manière de chanter. Une nouvelle manière de prêcher l'évangile, une nouvelle manière de prier. Dieu remplit son peuple de son feu nouveau. Un vent nouveau arrive sur ta famille. Personne ne touchera plus ta famille. Le Seigneur te dit, c'est toi que j'ai établi, c'est toi que j'ai appelé, c'est toi que je vais utiliser pour ma gloire ce soir. Je te vois. Elle est là. Oh, voici la main de Dieu sur toi. Voici la main de Dieu sur toi. Main de Dieu sur toi, et une onction terrible ici. Là. Il y a beaucoup de messagers que Dieu a appelé. Voici la main de Dieu sur toi, aidez-la. Les messagers, ils sont où là? Tout ça, oh, ils ont le fardeau des âmes. Ils ont le fardeau des âmes. Ces intercesseurs, ces hommes et ces femmes qui prient dans les coulisses pour la nation, qui prient, qui intercèdent pour la nation. Voici la main de Dieu sur toi, elle est là. Voici la main de Dieu sur toi. Voici ma fille, que Dieu le Seigneur de gloire, elle est là. Sous sur elle, elle est là. Oh, elle est là. Voici, vous voyez là, la puissance de Dieu. Donc, j'ai une onction. Oh, Saint-Esprit, elle est là. Elle est là.
de là. Mention sur elle. Personne ne touchera vos enfants. 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 Mets la main. Viens, jeune fille. Voici la main de Dieu sur toi. Elle est là. Mention sur elle. Oh, alléluia. Tu as beaucoup chanté. Tu es baptisé, toi. Tu es baptisé. Cours au baptême là-bas. Là. Dieu t'appelle. Cours au baptême. Viens voir à Dieu. Mention ici, là. Hémorroïde, Dieu t'a guéri. Hémorroïde, Dieu t'a guéri. Une femme ici, hémorroïde, Dieu t'a guéri. Au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Voici la main de Dieu. Elle est là. Mets la main. Il mention sur elle. Elle est là. Oh, Dieu, il mention sur elle. Mets la main. Quelqu'un est venu ici, tu dis, Seigneur, viens, je veux que tu me parles, je veux que tu te révèles à moi ce soir. Dieu te dit, ma fille, je te connais, mon fils, je te connais, j'ai entendu ta prière, voici ma main sur toi. Je confirme mon appel sur ta vie, c'est moi qui t'ai mis à part, c'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui t'ai choisi pour annoncer ma parole, alléluia, gloire à Dieu, voici la main de Dieu, elle est là, voici la main de Dieu, oh, alléluia, voici mon onction sur toi, Dieu le Seigneur de gloire, aidez-les, touche vos familles ce soir. Regardez-moi ces prophètes de Dieu. Regardez-moi ces prédicateurs du Seigneur. Regardez-moi ces hommes. Alléluia. Dieu t'ouvre l'intelligence pour comprendre la parole comme tu l'as demandé au Seigneur. Comme tu l'as demandé au Seigneur, on dit Yeshua, la main de Dieu, Dieu restaure ta vie. Voici l'onction sur toi. Amène-moi mon frère avec sa femme à côté. On dit Yeshua, amène-moi. Oui. Amène-moi les deux là. Amène-moi. Oh Seigneur, merci. Une épée t'est redonnée ce soir, une épée, l'autorité prophétique, on nous dit au choix, aidez-le. Oh Seigneur, merci pour ta gloire. Une nouvelle lance sur vous. Voici la main de Dieu sur vous. Oh, la gloire de Dieu sur vous. Je veux vous abonner loin, mes enfants. Il y aura des cantiques nouvelles, il y aura des cantiques spirituels, des chants nouveaux. Dieu te bénit ce soir. Oh, il y a quelque chose de fort ici. Amène-moi les deux, la dimension. Alléluia, quelque chose de fort ici. Tu as vu vos larmes. Tu as vu tes combats, tu as vu ta persévérance.
Dieu va se révéler à ta famille. Il va se révéler à ta famille. Il va se révéler puissamment. Et tu vas enseigner son peuple. Tu vas enseigner son peuple. Jesus. Oh, mon nom, son nom. Jesus. Oh, Jesus Christ. Oh. Choix. Merci pour la Côte d'Ivoire. On a des choix. Allez.